La chambre criminelle chargée des crimes financiers de la Cour d'appel de Marrakech a condamné, jeudi dernier, la directrice du Centre de protection de l'enfance de Marrakech à 5 ans de prison ferme. Le quotidien Al-Akhbar rapporte, dans son édition du week-end, 4 et 5 mars, que l'accusé était poursuivi pour trafic d'êtres humains, dilapidation des deniers publics et escroquerie. C'est une pensionnaire de ce centre qui a porté plainte contre elle en l'accusant de violence et d'agression physique à l'aide d'un tuyau en plastique. Les faits remontent à novembre 2022 quand la directrice a été arrêtée suite à une ordonnance du procureur général du roi près la cour d'appel de Marrakech.